Putain, j'ai entendu un bruit de porte là, j'ai bugué. Je veux te parler! Je veux te parler! Bon, allez! Vraiment, reste pas là toute la journée à regarder tes pieds! Alors j'imagine qu'ils ont des... Putain, mais alors lui, son seul but dans la vie, c'est regarder l'affiche. Il se dit, oh, cette affiche est nulle. Oh, cette affiche est nulle, mais je peux la regarder 24 heures sur 24. Je ne fuirai pas. Je reste avec mes parents. Je ne suis pas un lâche comme vous. Ok, Bruno. Mais ça va être l'heure de... faire un mini-jeu. Ben, il se passe des choses marrantes en ville. Marrantes, marrantes, vraiment. Je ne te le fais pas dire, comme les rumeurs à propos du Marais du Sud. As-tu entendu parler de... L'enflèvement? Un enflèvement? Ouais. Mais l'enflant... Quoi? Bon, y a sûrement un truc à comprendre, mais... Mais l'enflant... L'enflant s'est levé. Hein. L'enfant? T'as compris? L'enflèvement. Oh, j'en ai plané comme ça. Oh! Pourquoi je ris? Cette blague est nulle! Peut-être dans une autre langue, ça te dira un truc. Ouais, d'accord. Mais ils font des jeux de mots. Non, mais c'est ça, ils font des jeux de mots, mais on comprend pas. Ouais, sûrement. Air de jeu d'épaisse mojo au fond du de ce trou. Ah non, mais être traducteur localisateur, moi c'est un boulot que j'admire beaucoup hein, quand c'est bien fait en vrai. C'est vraiment un, pour moi, c'est vraiment un boulot de fou en vrai. Allez, c'est parti! Non! Oh, putain! Alors, je sais qu'il y a une strat, mais on va essayer de le faire légal en vrai, de le faire légit. Mais bon, là, c'est surtout que je peux pas faire la strat en fait. Ok. Oh! Alors, je vois rien. Je vois rien, mais c'est passé. Wouah! Allez, 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 allez! Wouhou! Ok. Une minute 01, incroyable, un nouveau record! Prends ça. À bientôt, jeune Link. Ce que je vais faire, je vais peut-être me débarrasser de mon argent. Parce que là, j'ai beaucoup d'argent, en fait. Mais la caméra elle a encore plus de mal que dans le jeu original, c'est ouf.
Hey, petit gars, tu veux mettre tes rubis au frais? De nos jours, même quand ils ont de l'argent, les gens ne veulent plus rien déposer. Rien, rien. Alors je te propose une offre spéciale. Pour un temps limité, tout ce que tu déposeras te fera gagner des cadeaux. Par exemple, si tu déposes 200 rubis, je te donnerai un objet qui peut contenir plein de rubis. Allez, on va déposer nos rubis parce que là... Alors évidemment, ici... Combien tu déposes? Combien? Calme-toi, je te dépose 99 rubis. Dis-moi, comment tu t'appelles? Link, c'est ça? Ok, je ne l'oublierai pas, je vais apposer une marque avec mon encre spéciale pour que je te reconnaisse. Reste calme, ça ne laisse pas de traces et ça fait pas mal. Combien? Maintenant, je te reconnaîtrai à chaque fois, même dans un espace parallèle. J'ai un total de 99 rubis qui t'appartient. Combien quand tu auras économisé? Voilà. Alors aujourd'hui, je vais proposer quelque chose, du moins si j'arrive. Oh! Désolé, nos chambres sont toutes prises. Où est Anjou? Elle est où, Anjou? Ah bah Anjou est déjà parti. Ah, il y a Bruno, là. Ah oui, non, c'est vrai, il n'y a pas de prénom. Ah ouais, elle est là, Anjou. Bonjour Monsieur Mojo, pas terrible la pluie hein. Est-ce que les pestes Mojo se sentent tristes les jours de pluie? Je crois que les Mojo aiment la pluie. Au moins l'un d'entre nous a une raison d'être joyeux. Ah. Regarde, je fais des pirouettes. Et on joue. J'ai besoin d'être plus joyeuse, non? Bah alors? Bon. Ah bah elle repart. Oui! Oh bon. D'accord! Et l'entrée, elle est... Oui. Ouais, je m'amuse, hein, c'est bon. Et la démarche, elle est trop bizarre. Mais regardez la démarche. Elle est trop bizarre. Ça fait tellement pas naturel. Mais oui, elle glisse. Elle a envie de mourir là, putain. Et voilà. Elle est tellement fine qu'elle flotte. Bon. Qu'est-ce qu'on a encore à voir du coup? Ouais, j'ai plus grand chose à montrer. Hein. Il me faut des rubis éventuellement. Putain de chien.
D'accord, c'est une pub pour la banque. Nous garderons vos richesses. Putain. Mais nous ne vous les rendrons pas. Je voulais danser. Oh yeah! Allons-y, oubliez le temps et dansons. Aïe. Grosse danse, évidemment, hein. Oh yeah! Alors comment tu as trouvé ça? Ça s'est passé en un instant et je me sens toujours en pleine forme. Si tu veux, baby, on peut oublier le temps et danser à la nuit tombée. Non. Oh dommage, très bien. Dans ce cas, reviens me voir quand tu veux. Au fait, je... Non. Ah, tout de suite la drague. Allez, reste un mini-jeu. Bonne chance, jeune Link, tu as 3 jours devant toi pour établir un nouveau record. Bon, j'espère que ça va bien se passer parce que là... Oh la vache! Attends. Je vais attendre, je vais attendre. Allez, maintenant... Let's go, let's go. Ouah, non. Bordel de merde, hein. Mais allez! Yes! C'est terminé. Il fait un peu stressé en vrai, hein, le truc. Un nouveau record et 3 jours d'affilée. Waouh, c'est fait bien avoir. Apparemment, tu es un pro et les pros ne peuvent pas jouer ici. Prends ça et ne reviens pas. Ah, c'est donc ça d'où vient le... C'est donc ça d'où vient le Scrub Tournament dans Ocarina of Time Randomizer. C'est si vous êtes trop fort, vous dégagez. Un village si jeune, mais c'est vraiment un concurrent de valeur. Ah, c'est Link, cachez-vous. Putain. Est-ce que ce serait pas une représentation de la communauté Randomizer? Oh non, non, c'est méchant quand même. Bon, allez. Là, on peut voir que la lune, elle est bien avancée. Bon alors Ricardo, comment vas-tu? Désolé Brémor, mais moi aussi je pars. Ah bah au revoir. Attends, c'est lui Brémor? Je ne m'enfuirai certainement pas. Pas moi, vous m'entendez? Je suis l'apprenti de Maître Mouto. Et putain que cette affiche elle est moche. Désolé, zone aux réfugiés, comme tout le monde, tu devrais fuir aussi. On dirait qu'elle va s'écraser demain matin. Ça va, vous êtes pas pressé, hein?
petite vache. Oh, Tortue, sais-tu presque, ça faisait longtemps que nous sommes pas allés pique-niquer au ranch Romani. Ah, je peux plus faire passer le temps. Journal de grand-mère. Nous allons nous réfugier au ranch Romani dès demain. Je pense qu'elle va vraiment tomber. Quitter ma maison de toujours est insupportable, mais rien à faire. Je pense que je vais emmener plusieurs des livres préférés de Gampi. En vrai, ouais. Ouais, ouais. C'est ça la boutique, hein, je crois. Yo, hey baby, je m'en bats les couilles. On va danser pendant 2 heures. Alors, comment tu as trouvé ça? C'est passé en un instant et je suis toujours en pleine forme. Mais on dirait qu'à l'extérieur, ça craint un peu. Des trucs louches se passent. Moi, je m'en vais de la ville. Allez, salut mon pote! Non, c'est bon. Voilà, il se casse. Bon, bah... Voilà, hein. Oh, bonjour. Eh, petit bonjour, tu attends qu'on finisse le pont qui relie la tour à l'entrée du festival de l'horloge? Quel pont? Tu attends qu'on finisse le pont qui relie la tour du festival à l'entrée de l'horloge? Je sais pas. Désolé, mais mes apprentis ont paniqué et se sont enfuis. Ce n'est pas assez haut, non? Pff. Mais si on allait au sommet de la tour du festival, on ne pourrait pas atteindre l'entrée de l'horloge. Je m'excuse pour tout ceci, j'aimerais pouvoir faire fuir cette maudite lune. Quoi? C'est la veille du carnaval, j'arrive même pas à atteindre l'entrée de l'horloge. Ça pue encore plus que la haleine de Dodongo. J'espère que c'est pas la dernière surprise de ce genre. Ah ça. Et l'ambiance est assez spéciale hein, lors de ce troisième jour. Parce que... Bon, ça se voit pas trop. Ça se voit un peu plus sur 3DS. Mais on peut un peu voir qu'il y a une partie du ciel qui est un peu rougeâtre en fait. Mais là, vraiment, il n'y a plus aucune musique, il n'y a rien du tout. Il y a juste de temps en temps... Il y a juste de temps en temps les bruits de tremblement. Et certains bruits en dur. Merde, je vois pas. Faut s'en fout. Non, mais les bombers, ils sont toujours là. En fait, il reste les bombers, les gardes et Muto. Il n'y a pas une main ici? Il me semblait qu'il y avait une main. Et la fameuse cuisine. C'est quoi cette cuisine en fait là? Il y a une cuisine, mais il y a des poissons dans la cuisine! Les poissons et les insectes. Quoi, tu as besoin de moi un jour comme celui-ci? Je suis pas encore parti, tu as de la chance, que puis-je pour toi? Ah bon, bon moi, hein. Ah bah, je suis sûr, il traverse l'espace-temps, lui aussi. Hey. Un petit combien, là?
Allez, j'ai un total de 210 rubis, mais tu as déjà épargné 200 rubis, voici ton cadeau, prends ça! La bourse d'adulte est très grande, peut contenir plein de rubis. Vous pouvez maintenant porter 200. Voilà, comme ça tu peux porter plus de rubis. Maintenant, salut! Tu peux aller mourir. Ah, imagine ton goal dans la vie. Si tu veux gagner une bourse, genre 8 heures avant la mort. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Ouh, very spooky. Le fameux goal de Picsou. Let's go! Et cette ambiance... N'arrête pas maintenant, tu peux y entrer maintenant. Non mais attends. Vraiment, j'adore cette ambiance. C'est... En fait, cette ambiance, elle est... Tu sens que là, c'est la merde. Cette musique... Bon, attends, là, j'ai gagné 58 000, là, je vais pas les... Je vais pas les gâcher. Sorette! Ah, Taël, je vous ai cherché partout, tous les deux. Et hey, Skull Kid, et si tu rendais ce masque à qui tu l'as volé maintenant? Eh, hey, vous m'écoutez? Marais, montagne, océan, canyon. Vite, les quatre qui sont là-bas, amène-les ici. Ne parle pas comme ça, stupide fée! Non, qu'as-tu fait de mon frère?
Skull Kid, tu crois que tu es encore notre ami? Ah, en fait... Même s'il venait maintenant, il ne pourrait plus rien faire. Regarde au-dessus de toi. Si c'est possible de stopper ce truc, alors il faut le stopper maintenant. Et là, on a 5 minutes. Et la lune, elle est... Bref. Mais il laisse vraiment tomber l'ocarina, mais n'importe comment, en fait. Oh, c'est bon jouet. Vous avez récupéré l'ocarina du temps, c'est la princesse Zelda qui vous a donné ce précieux instrument. Assignez-le à C et appuyez sur utiliser A et les 4 boutons C pour jouer une mélodie, appuyez sur B pour arrêter. Le souvenir de la princesse Zelda vous revient en mémoire. Tu vas quitter le royaume d'Hyrule, n'est-ce pas? Même si nous ne nous connaissons que depuis peu, j'ai l'impression que nous serons amis pour toujours. Je n'oublierai jamais les quelques jours que tu as passés sur Hyrule. Attends, Link, il a sauvé le monde en quelques jours? Waouh! Et je crois sincèrement que nous nous retrouverons un jour. En attendant ce jour, accepte ce présent. Je prie pour que ta quête se passe sans heurte ni danger. Si quelque chose devait arriver, souviens-toi de cette mélodie. Le souvenir de notre amitié. Cette mélodie est à la frontière de vos souvenirs et une chanson qui vous rappelle la princesse Zelda. La déesse du temps te protège. Si tu joues le chant du temps, elle viendra t'aider. Réveille-toi, tu as l'air perdu dans tes souvenirs, ressaisis-toi. Je vois pas en quoi cette ocarina pourrait nous aider. Il y a quelqu'un, à l'aide, déesse du temps, aidez-nous, il nous faut plus de temps. Tiens. Ah, ça marche plus. Bon, allez. Techniquement, oui, en quelques jours, vu que celui a vécu le futur pour les autres, il est allé de la forêt Kokir et Château d'Hyrule. Eh, en quelques jours, quand même, hein. Ah, comment tu as attrapé cet instrument? Et c'est la sauvegarde.
Voici ce qui s'est passé avant. Et l'aube du premier jour. Quoi? Que s'est-il passé, toi, Chant? Changer de nouveau? Qui es-tu? Cette chanson que tu as jouée, cet instrument. Mais cet instrument? Attends, c'est ça, ton instrument! Le vendeur de masques a dit que tu pourrais récupérer ce truc super précieux. Il pourrait te rendre de nouveau normal. Me dis pas que tu avais oublié. Ok. Eh ben allons voir tout de suite. As-tu récupéré l'objet précieux que le lutin t'a volé? Tu l'as! Il l'a, vous m'entendez? Il l'a! Écoute-moi, joue cette mélodie que je vais t'interpréter et essaie de t'en souvenir. T'es mal à la taille de l'orgue. Mais la taille du clavier, quoi! Je crois que même les pianos normaux n'ont pas autant, quoi. Le fameux chant de l'apaisement. C'est une chanson qui peut apaiser les âmes troublées, qui transforme les esprits en masques. Je suis sûr qu'elle te sera utile dans ta quête. Ah oui, je te donne ce masque en souvenir de cette journée. Ne crains rien, car la magie a été scellée dans ce masque. Quand tu décideras de le mettre, tu te transformeras en la créature que tu étais. Si tu le retires, tu redeviendras normal. Vous obtenez le masque Mojo en souvenir. Appuyez sur Start et assignez-le au bouton C dans le menu des masques. Portez le masque avec C pour vous transformer en un Mojo. Appuyez de nouveau sur C pour redevenir normal. Je viens de remplir la part de notre petit marché. Alors maintenant, tu dois me donner l'objet que tu m'avais promis. Ne me dis pas que mon masque, tu ne l'as pas récupéré, hein? Qu'est-ce que tu m'as fait? Si tu laisses mon masque dans les mains de ce petit lutin, il va se passer des choses terribles ici. Le masque qui m'a été volé. On l'appelle le masque de Majora. C'est une sorte de relique ancestrale qu'une vieille tribu étrange utilisait pour accomplir un rituel de malédiction. On raconte qu'un pouvoir obscur et mauvais est accordé aux porteurs de ce masque. «
Selon la légende, les troubles que le masque de Majora a créés étaient si grands Mais aujourd'hui, cette tribu a disparu et personne ne connaît vraiment la nature des pouvoirs de ce masque. J'ai putain d'éternué. Mais je peux sentir l'ombre qu'un terrible événement qui arrive. J'ai fait beaucoup d'efforts et de concessions pour obtenir ce masque. Une fois que je l'ai eu, j'ai tout de suite ressenti les vibrations mauvaises qui en émanaient. Des vibrations à t'en hérisser les cheveux sur la tête. Et maintenant, c'est cette espèce de lutin qui l'a. Je t'en supplie, tu dois me ramener ce masque très rapidement. Ou alors quelque chose de terrible va se produire. Je t'en supplie, s'il te plaît, je t'en prie. Vraiment? Tu ferais ça pour moi? J'étais sûr que tu dirais ça. Tout va bien se passer, je suis sûr que tu peux y arriver. Tu dois croire en tes compétences, tu dois croire. Oh la vache, je m'amuse, hein. C'est, putain, doublé, c'est quelque chose quand même.